Parler d'abord dans le pays d'Haïti, eh ben, n'abdou d'abord que mercredi qui saute passé là, Premier ministre Ariel Henry, ou bien Conseil des ministres à travers, ils ont arrêté et passé maintenant gouvernement, eh ben, il y a 9 nouveaux ministres. Premier ministre Ariel Henry, lui-même, l'a joué rôle ministre culture et communication. Et puis, il y a un nouveau ministre justice et sécurité publique, là, Berthe d'Orsay, lui-même qui était installé, et Josué Pierre-Louis, nouveau secrétaire palais national, là. Hier, je dis, c'était occasion pour nouveau ministre entrer en fonction pendant que il y a l'autre qui t'a fait adieu. Par exemple, il y a ministre Affaires étrangères, docteur Claude Joseph, qui quittait place libre pour Jean-Victor Généus. Nesni Maniga, c'est une figure internationale qui était déjà ministre éducation nationale, donc il tournait comme ministre éducation nationale avec formation professionnelle. Et Osmond Pradel, qui c'est un membre fusion, et bien, il est venu ministre travaux publics et transport à communication, il y a un poste qu'il était déjà occupé et déjà. Et puis, il y a un ministre défense là, Enol Joseph, lui-même l'y installé, et sénateur sud-est là, Ricard Pierre. Donc, il y a une pile réaction qui tombait après le remaniement ministériel là. Et nous parlons de Renan Toussaint qui a une réaction, un membre d'organisation féministe avec une organisation droit monde. L'alliance qui fait avec Ariel qui mettait gouvernement ça à Campéa, son alliance qui chita sous gros intérêt économique. Pierre Espérance, directeur exécutif Réseau National Cap Défense Droits Mounio, RNDDH, qui t'a réagi sous feuille de route, nouveau cabinet ministériel, Premier ministre Ariel Henry a dirigé à faire connaître. Démarche ça, pape abouti à rien, même enquête sur assassinat Jovenel Moïse. Là, pape abouti d'après ça le dit. Il n'y a pas d'instruction qui a mené dans le dossier ça. Et ça qui a fait journée aujourd'hui, c'est PHTK à travers Ariel qui chassait Jovenel Moïse dans l'administration publique là pour prendre contrôle l'administration publique là pour être capable d'évacuer le dossier et assassinat. Pendant l'investiture nouvelle équipe gouvernementale, Ariel Henry, en chapeau Mathieu, a exhorté ministre Justice et Sécurité publique, là, M. Berthe d'Orsay, pour travailler dans le cadre d'aboutissement enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Là. Premier ministre Ariel Henry parlait tout sous problème carburant, quand elle dit l'État pas capable de continuer à subventionner le produit ça. À 30 milliards de gouttes, on a subventionné le gaz là, pour quelques mois. Nous avons fait le peuple là en pile service. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous n'avons pas même qu'à commander du gaz. Directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, répond pour le dire, il y a une nécessité pour le gaz la monter, mais... Là où nous allons monter le gaz, est-ce qu'on est là par rapport avec l'État et pays au niveau économique, est-ce qu'il y a une disposition qu'on prend pour suspendre les gangs munitions avec maigres ressources l'État a gagné. Donc, ouais, non. Bon côté Payo, ensemble, organisation féministe, signateur accord 11 septembre 2021, qui c'est tout, membre Conseil national Société civile haïtienne, dénoncé Premier ministre Ariel Henry, il dit qu'il n'a pas respecté 30% quota femme. Nous avons levé en bas pour nous faire, et Premier ministre, respecter nous-mêmes, droit que nous gagnons. Qui c'est quota 30% qui vous permettre nous participer dans l'espace de pouvoir, espace de décision. C'est mercredi 24 novembre 2021, Premier ministre Ariel Henry a procédé à l'investiture 9 nouveaux ministres dans 4 formations cabinet ministériel là, avec participation seulement 4 femmes. Renan Toussaint, pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. On a retourné encore dans l'installation nouveau ministre, le ministre de la Défense, là, docteur Enol Joseph, qui est installé ancien sénateur sud-est, là, Ricard Pierre, en fonction, lui, comme ministre planification à coopération externe, lui, remplacé, n'a pas ça, ancien sénateur Simon Diosel Dera, correspondant à nous, Yves Manuel, t'es suivi pour nous, installation, ça. Ancien sénateur Simon Diosel Dera, perdu portefeuille ministériel là après 4 mois passés dans tête ministère planification et coopération externe. Ancien sénateur Ricard Pierre, dirigeant politique secteur démocratique et populaire et opposant farouche à feu président Jovenel Moïse, remplacé dans poste ça. Cérémonie installation ministre Ricard Pierre faite en présence divers dirigeants secteur démocratique et populaire.
ministre défense Enol Joseph qui possédait à investiture dit compter sous leadership éclairé sénateur Ricard Pierre pour sortir pays dans son développement chronique ça. Sénateur Ricard Pierre, au nom du Premier ministre Dr Ariel Henry, je vous installe comme ministre de la planification et de la coopération externe. Bon travail, monsieur le ministre. Ministre sortant, Joseph Simon Dera, qui était présent dans la cérémonie, félicite nouveau ministre Ricard Pierre pour accessionner dans poste responsabilité sa. Ancien sénateur qui dit côtoyer Ricard Pierre pendant plusieurs années dans la vie publique, dit convaincu qu'il est capable de faire mieux pour servir nation. Je vous félicite pour cette accession à ce poste de grande responsabilité. Vos titulaires ministère plan dit engagé pour le faire promotion dans le développement national conformément à mission. Après plusieurs décennies, constat révélé conditions socio-économiques paysan pas amélioré d'après ministre Ricard Pierre. Sous mon leadership au niveau du MDCP et en relation étroite avec le ministère de l'économie et des finances, le processus d'élaboration du PIB va être redynamisé en prenant en compte le plan de relance économique post-Covid 2020-2023 qui a été élaboré avec la participation de tous les secteurs étatiques et de nombreux acteurs et aussi le post-disaster need assessment, le PDNA. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, tant qu'on nous dit grand pile réaction qui enregistré après et remaniement cabinet ministériel ça et par exemple nous gagnons madame Magali Habitant qui sont proches des fins président Jovenel Moïse lui-même lui dit que le pas reconnaître gouvernement Ariel Henry. Moi pas penser en rien de gouvernement Pierre Ariel là parce que Ariel c'est un de facto lycéen matoman ils sont équipés. Pour qui raison me dit ça? Il y a un rapport qui sorti, non PM dans la donne. Il était parlé avec Badjo le même jour que il t'a pas assassiné président Jovenel Moïse. Tu as un ancien ministre justice qui était là, ancien commissaire gouvernement était là, il t'a demandé pour devant la justice s'il coupable la justice paye a dit coupable. S'il pas coupable la justice paye à plaguer pour la régler ça rien pour le régler. Il était obligé de révoquer mon ça pour pas répondre question la justice. Tout autant moi-même Magali Habitant PM Ariel Henry pas répondre question la justice pour dire ça t'a dit avec Badjo pour moi-même moi pas reconnaître lui comme premier ministre. Moi-même moi toujours dit tout autant pas faire m'a demandé deux papiers Ariel Henry avec toute équipe moi. Magali Habitant, c'est un proche défunt président Jovenel Moïse et Premier ministre Ariel Henry toujours dit que il n'a pas gagné aucun souvenir de dialogue ça qu'il a gagné avec Badjo Jou assassinat président et il dit s'il t'a gagné c'est peut-être une question banale. L'autre réaction encore gagne un membre opposition en parlant de docteur Chilo Luido qui critiquait gouvernement pendant que le critiquait tout frère dans opposition. Moun qui composait gouvernement ça, c'est pas ça on t'a dit. C'est pas ce que nous avions dit pendant que nous t'ai fait 4-5 ans goumen. Nous avions dit cette trilogie, il faut la respecter, à savoir une transition de rupture, la conférence nationale, un changement de système. Voilà ce que nous avions dit. C'était pour ça nous t'a goumen. Ariel Henry qui est la dernière œuvre de Jovenel Moïse, c'est PHTK. Et deuxièmement, il y a un fait important. Opposition t'a dit que toute sa Jovenel dit et prend comme décision après le 7 février 2021, il pas reconnaître lui. Mais c'est Jovenel qui avait nommé Ariel sous les ordres de Michel Martelly. Comment opposition fait à le composer avec Ariel Henry, qui est la dernière œuvre de Jovenel Moïse? C'est incohérent. Nous t'ai dit, non, à travers opposition, pour un ex-ministre, il faut qu'on feuille de route qui traçait pour dire voilà ce que tu vas faire comme ministre, voilà ce que tu vas faire comme directeur général. Mais c'est parce qu'il est en train d'être fait. Ce n'est qu'un ministre pour faire l'argent. Monsieur Schiller Luido, c'est un membre au
position. Cependant, gain mettre André Michel qui fait partie ancien opposition qui c'est membre secteur démocratique et populaire SDP et qui signe accord 11 septembre 2021 donc accord monsieur avec Premier ministre Ariel Henry, lui-même il croit que gouvernement qui formé là son gouvernement plus ou moins équilibré. Capable de son gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Parce que le secteur démocratique là, c'est vous-même pour un gouvernement équilibré. Un secteur pas contrôlé, le gouvernement, pas contrôlé l'État, vous capable d'utiliser contre l'autre secteur non classe politique. Combien ministres SDP participe dans la concertation? Combien ministres? 400 000. Et sénateur Ricard Pierre, qui sont dirigeants du secteur démocratique et populaire, ces dirigeants du secteur démocratique et populaire, capable de TPTC pour être ingénieur, capable de et des mon gouvernement capable de dire que des anciens ministres qui tournent dans le premier Manika et qui dans la finance, des mondes qui étaient là déjà et qui sont des alliés, PHTK, les listes qui l'a trié. Capable, par exemple, dans le ministère de l'Intérieur, il est toujours là, c'est M. Guider, qui c'est Moun, Moïse Jean-Charles, qui dit Saline. Capable, et Raymond Rival, pour son dossier à Théapora, qui propose lui. Capable de comprendre que son gouvernement, quand pile représente la société civile, ministre de Justice, ministre des Affaires étrangères, c'est des mondes qui sont dans la société civile. Alors, pour le secteur démocratique et populaire, ce gouvernement est plus ou moins équilibré. Donc c'était Maître André Michel qui c'est porte-parole secteur démocratique et populaire qui journée aujourd'hui, eh ben il dit que li nan gouvernement et il était signé accord 11 septembre 2021 qui c'est accord Musso. L'autre yon l'autre point dans actualité à nous pas sous frontière haïtiano-dominicaine côté que République dominicaine continue à faire déportation haïtiens qui vivent illégalement en République dominicaine. Gen Jérémy qui était journaliste Jérémy qui était fait un coup de pied l'autre bois. Depuis après mauvais bat bouche entre président dominicain Luis Abinader et chancelier haïtien Claude Joseph, c'est 4 à 5 autobus immigration dominicain chargés pour les bas chaque jour qui viennent pimper immigrants illégaux haïtiens sous frontière Elias Pinas Baradère. Mon cher, vous traitez nous mal d'après des vieux têtes Claude Joseph a parlé. C'est ça que fait Dominique a maltraité nous. Parce que nous ne pouvons pas gagner la caille, nous ne pouvons pas gagner le président, nous ne pouvons pas gagner. Et Claude Joseph, ce n'est pas rien la téléphone pour le pays. Les filles n'ont pas qu'à traiter la parole à la président, le président a maltraité nous. Majorité des immigrants arrivent seulement à craindre sous pourquoi. Parce que il n'y a pas de temps à ramasser un lien avant la déportation. Est-ce que battre nous? Non. Pas battre nous, mais parce que nous maltraiter. Dans une série d'autobus qui construit en prison, les immigrants haïtiens ont fermé un coup de sardine pendant plusieurs temps pour arriver sur la frontière côté de le déporter. Pas un gouvernement haïti qui a campé qu'à défendre haïtien avec là. Dominique fait salver avec nous. Est-ce que nous allons payer, nous allons faire tout le bagage, nous allons payer. Est-ce que les gens allons payer, nous allons téléphoner, nous allons abuser nous. Et nous allons payer, nous allons avoir une négation au moment. Déportation, ça a été fait en présence de chargé de liaison qui est attaché dans le consulat de Barahona, M. Dixon François, déclaré qu'il a fait tout ça capable pour faciliter et pour limiter le mauvais traitement migrants haïtiens à recevoir pendant la déportation. Mais il reconnaît qu'il y a en pleine déportation, ça a dépassé la capacité. Si on déporte, on n'est pas capable de voir ensemble avec l'autre monde comme si c'est un bon traitement différent. L'autre monde n'est pas capable de même choc avec Fiam. Il suffit que, même quand on est illégal, on doit la protection de lui. Ok? Doual, on devoir même pour Bali, protection ça. Mais, jouer pour un figure de votre ami, ton fiancé, ton ami, tout le groupe, on a la chaleur. Tout ce que ça, non. Nous, là, nous comptons ça. Ça fait plus de 3 semaines depuis l'autorité dominicaine décidé de déporter par une femme le plus haïtien, la 4 frontaliers officiels qui se marient de Zine. Malgré les efforts de déplacer un chargé de mission vers la République dominicaine pour essayer de jouer une solution à la crise là, mais chaque fois, 4 déportations, on va multiplier. Jérémy Dupin, Elias Pinas.
Merci Jérémy Duplan. Plusieurs députés n'ont pas changé, n'ont quitté l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous parlons de l'actualité internationale là. Il y a plusieurs députés américains qui font une visite surprise dans Taïwan. Côté, ils ont rencontré un pile responsable gouvernemental dans les îles asiatiques là. Parmi eux, président Che Kyung-wen. Il y a un reportage, Serge Rodriguez. Post-pandemic era, and I want to thank you all once again for traveling to Taiwan. Cinq parlementaires américains rencontrés avec le président Taïwan Tsai Ing-wen dans le commencement de la journée vendredi. Visite sans attendre ça, qui dure un seul jour, c'est une visite qui visait réaffirmer l'appui solide des États-Unis pour les îles autonomes. Groupe député américain, qui vient démocrate et républicain là-dedans, qui débarqué dans Taïwan dans la soirée et jeudi, a intention pour faire chier à parler avec divers gros responsables du gouvernement taïwanien, parmi eux, président Tsai lui-même, d'après officiel dans l'Institut américain en Taïwan, qui est en sorte ambassade des États-Unis dans le pays asiatique. Parlementaire n'a pas aucun autre détail sur l'itinéraire. Visite sans attente si là, tombé dans un moment de tension entre Taïwan et la Chine, montée dans le plus haut niveau depuis plusieurs dizaines d'années. Si Taïwan a gouverné cette île depuis deux camps qui ont été séparés après la guerre civile 1949, là, cependant, ça n'a pas empêché la Chine continentale pour un Zilea comme une partie d'un propre territoire pâle. L'une des parlementaires américaines en délégation, député démocrate d'État Michigan, Elisa Slotkin, écrit sous compte Twitter, les nouvelles là te prennent là hier, ambassade de la Chine t'a demandé pour me annuler voyage là. Député démocrate Takano est à Californie, Colin Allred est à Texas, Sarah Jacobs à Californie, avec député républicain Nancy Mace, Caroline du Sud, j'ai fait partie de la délégation. Madame President, I want to commend and praise your leadership. Under your administration, député Takano dit, nous trouvons nous dans Taïwan, semaine ça, pour faire allier avec partenaires nous changer. Après deux années difficiles, nous sommes passés là, que engagement et responsabilité nous partager pour une région Indo-Pacifique qui libre et en sécurité, c'est un engagement qui est plus solide que jamais. Président Taïwan Tsai Ing-wen, qui recevra parlementaire et directeur institut américain en Taïwan, dans le palais présidentiel là, fait remarquer que coopération entre deux camps, dans les affaires vétérans, questions économiques, toujours là. Il précisait que Zilea marché sous même chemin avec les États-Unis. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. On a prêté toujours dans l'actualité internationale là, en Afrique du Sud. Spécialiste de la santé a découvert un nouveau variant virus COVID-19 là, un variant qui baille savayo en pile qu'est sauté. Lionel Demarat. En général, maladie COVID-19 là, subit évolution pendant la gaillé et en pile dans nouveau variant yo parmi yo gen sila yo qui vini avec mutation capable faire plus dégâts yo ces variants qui juste des pas fini qui disparaît pour compte yo région concentration découverte là en Afrique du Sud c'est province qui pi peuplé dans pays a province Gauteng et spécialistes yo a suivre situation de près pour capable voir si nouveau variant pas subi changement qui ta capable rendre virus la plus transmissible et plus mortel. Cependant, ça capable prend en pile temps pour déterminer si oui ou non nouveau variant yo pral gen mauvais conséquences sur santé publique. D'après Dr Joe Fala, ministre santé publique là en Afrique du Sud, pays a enregistré une grosse augmentation dans quantité nouveaux cas infection yo. Pendant le temps participé dans conférence sur internet là jeudi 25 novembre, il fait qu'on est n'a cité pendant 4 ou 5 jours passés yo, quantité a augmenté plusieurs fois la valeur. Et semblait ces nouveaux variants qui viennent en tête pour quantité nouveaux caillots. Fin citation. Pendant ce temps, savants sud-africains ont travaillé pour connaître qui pourcentage dans nouveaux caillots qui ses conséquences effets variants qui fait paraître là. En parlant de nouveaux variants qui gagnent comme identité B.1.1.529, Dr Joe Fala dit qu'ils ont découvert le tout dans le pays Botswana. À Hong Kong, sous touriste avec l'autre voyageur qui était sorti en Afrique du Sud. Un groupe travail, Organisation Mondiale de la Santé, OMS, rencontré depuis la journée vendredi 26 novembre, pour évaluer nouveaux variants, et puis, si possible, prendre décision sous question pour connaître qui non dans l'alphabet grec là, Yotadoué Bali. Finalement, gouvernement britannique là, annoncé le prendre décision pour interdire tout vol avion cap sorti en Afrique du Sud avec 5 autres pays qui dans la région Afrique australe. Une décision qui est effective depuis midi GMT vendredi 26 novembre. Non. Et puis, tout le monde qui fait voyage dans le pays, ça y est, doit subir un test pour coronavirus. Sous question ça, ministre de la Santé publique britannique là, Sajid Javid, déclaré n'a cité
Autorité yo peur pour nouveau variant papi transmissible, passé variant Delta qui pique courant dans le monde jusqu'à présent et pour le pas offrir plus résistance contre vaccin qui disponible. Fin citation. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. L'autre point d'actualité internationale là, pendant président français Emmanuel Macron a visité Vélorome capitale Italie jeudi vendredi, pape François recevoit lui dans Vatican pour la deuxième fois depuis et monsieur Macron a commencé mandat 5 ans dans pays la France. Il y a un geste que catholique français yo a apprécié en pile alors que était 5 mois pour élection présidentielle yo déroulée dans pays la France. D'après source diplomatique pendant deuxième audience ça que souverain pontife l'a accordé à leader français de dignité abordé crise migratoire qui a frappé porte continent européen après un naufrage bateau qui causait la mort 27 immigrants avant hier mercredi dans détroit la Manche pendant yo tap essayé quitter la France pour y aller en Angleterre. L'autre sujet délicat dans discussion pape là avec président Macron, c'est un document yo relé le rapport Sauvé qui fait paraître sous abus sexuel leader l'église catholique qui a été commis en France. Ça pas longtemps pape François t'a exprimé tristesse li peut-être ça li dit dans rapport ça et li t'a ajouté n'a cité c'est avec un gros sentiment la honte li apprendre tout abus que document ça révélé fin de citation. Autour sur la voie de l'Amérique qui permettre depuis autorité sous place a étudier possibilité pour camper sous décision qui t'est obligé employer l'hôpital yo ak sapeur pompier dans la Guadeloupe vacciné sinon il a perdu travail. Et préfère dans la Martinique lui-même, tant que la Guadeloupe te fait, tabli en couvre-feu hier jeudi devant un paquet de violence qui éclatait surtout dans la ville. Ça qui a augmenté le travail, la police, pompiers et service ambulance. Dans la Martinique, opinion partagée sous mouvement protestation et avec brigandage. Ils sont en bas contre des efforts qu'on met pour entreprendre. C'est du temps, de l'énergie, du sacrifice. Nos familles, on sacrifie des fois nos enfants à certains moments, mais vraiment c'est de la désolation. Là, nous allons nous retrouver au chômage. Je trouve que c'est malheureux ce que les gens ont fait. Ils n'ont pas pensé aux autres. Et les petits jeunes, ils ont fait du n'importe quoi. Donc on va se retrouver sans boulot. Dans la Guadeloupe, côté mouvement, t'es commencé avant de gagner la Martinique. Moun t'es attendu un pile coup de zam et t'es gagné un pile la fumée moun t'es kawé à cause caille, machine qui boulait et semblier gros tension dans l'hôpital dans Pointe-à-Pitre depuis commencement levé campé à 15 novembre passé avec un mouvement grève. Et ça qui là, gagné un paquet de démission dans personnel médical là, ça qui diminue service. Même Jacques la Martinique, dans Guadeloupe, opinion yo. Partager. Je pense que cette politique, on dirait que c'est bien, c'est voulu. Hein? Et qu'est-ce qu'on entend? Les petits jeunes qui sont sur les barrages, ce sont des petits voyous, ce sont des. Hein? Là, je pense que c'est un ras-le-bol. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour le mouvement. Il y a trop de difficultés. Tu rentres avec un caddie dans le supermarché, tu t'en sors pour hein? C'est infernal, ça. C'est vraiment infernal. Jusqu'à hier jeudi, mouvement protestation a continué dans deux territoires. Autorité a continué à utiliser dialogue dans l'idée pour mettre fin à la crise là et faire Guadeloupe et Martinique retourner dans le normal et mettre fin tout dans le levé campé ça contre décision pour tout employé l'hôpital vacciné, sinon il a perdu le job. Et puis Jean-Robert Philippe, dans la question immigration, le gouvernement mexicain a sourd pour prendre une grosse décision. Oui, effectivement, et gouvernement haïtien, par l'entremise des ambassadeurs au Mexique, saluer les décisions d'autorité mexicaine au point pour assister à ici pour maturité dans le pays. The caravan organizer told Reuters most of the migrants accepted the groupe immigrants qui était parti quitter Tapachula dans l'état de Chiapas 19 ans passé a accepté proposition autorité mexicaine offert pour aller dans une série de l'autre état côté pour appliquer pour visa humanitaire. We are happy and content. Thank God they will give us papers, a Mexican visa to go to. Dina Sinéa, sur immigrant haïtien, déclaré nous comptons en pile. Mais si on met là, il y a bon document pour nous capables de travailler dans l'autre état, pour nous capables de supporter les familles, nous. Merci en pile.
Le gouvernement mexicain a utilisé une série de tactiques pour empêcher les immigrants qui n'ont pas participé au pays à arriver sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis. We have been here for 5 days lying on the floor. Women, men, children, sick people with the supposed promise that they were going Iliana, to be qui c'est un immigrant cubain, déclaré nous gain 5 jours ici là depuis n'a couché à terre. Femme, petit monde, garçon, monde malade, avec promesse sur fait pour yon ban nou document pour nous capable transiter dans le pays. Et puis fini processus, nous te commencé déjà dans l'autre état. Yon ban nou menti. Service immigration avec gouvernement pas dit nous rien. C'est deuxième caravane qui parti qui était à Patchou là dans la semaine qui passe yo. Premier caravane nan, qui était parti 23 octobre passé a été rencontré une série de difficultés avant d'y arriver dans l'état Veracruz. Immigrant deuxième caravane nan, accepté proposition gouvernement mexicain pour participer dans un processus qui a régularisé statut d'après une déclaration conjointe. Ministre intérieur avec l'Institut de Migration a publié. Luis Garcia Vallagrande, organisateur caravane nan et membre groupe Peuple sans frontières, déclaré par l'agence Nouvelle Reuters, puis formant caravane a accepté offre gouvernement qui peut transporter yo dans un pays de l'autre état à travers pays à côté la via différente que l'état Chiapas. En échange entente là organisateur pour engagement pour pas mettre sous pied l'autre caravane encore d'après responsable mexicain yo une déclaration de Luis Garcia rejeté. Immigrants yo pas jamais suspendre exprimer doute que gouvernement a bail document pour régulariser statut. Migrants n'ont pas écarté possibilité pour former l'autre caravane pour quitter Tapachula qui se frontière avec Guatemala. Nouveau point de départ caravane. Officiel mexicain fait connaître qu'ils ont déjà transporté un autre groupe immigrant haïtien à Condurien dans l'État Guanajuato qui est situé à 1000 km de l'État Chiapas. Pendant ce temps, ici, Washington, l'administration Biden n'a pas conjoint une entente avec l'autorité mexicaine pour recommencer le programme ancien administration Trump a commencé pour immigrants qui ont cherché asile à l'attente au Mexique, décision tribunal américain, malgré demande du juge américain fait dans ce sens. Des officiels mexicains déclaré mercredi 24 novembre, non, gagné aussi les conditions que les États-Unis de satisfaire avant. Département de sécurité intérieure américain déclaré n'y paraît pour relancer le programme, non, mais n'y pas capable de faire rien sans un accord avec le gouvernement mexicain. Jobert Philippe, Washington. Merci Jean-Aubert Philippe. Il y a déjà une autorité haïtienne qui réagit, tant que Jean-Aubert dit, sous décision ça que l'autorité mexicaine est sur route prend pour accorder un asile spécial pour immigrants.